Vous écoutez France Musique. Leur premier CD sur France Musique par Gaël Le Gallic. Merci d'être avec nous sur France Musique. C'est le premier opus de la nouvelle génération de musiciens, leur premier CD tous les dimanches matins jusqu'à 8h en partenariat avec le mensuel Classica. J'espère que vous allez bien. Thank you.
L'album porte le titre d'Images d'autres univers. Salvatore Di Stefano, compositeur, Catherine Nikitin, Marcello Parolini, interprète. Un premier opus paru chez SMC Records. Il s'agit vraiment là d'autres univers sonores, inspirés par la vie réelle ou imaginaire, déclare le compositeur Salvatore Di Stefano. Ma musique peut résonner en vous comme si un lien préexistait. Capter ses échos en l'écoutant. Fin de citation. C'est ce que j'ai fait. Et ça a marché. Merci encore pour votre fidèle présence chaque dimanche. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. Nous évoquerons cette fois le premier CD de la jeune pianiste Amandine Savary. Là encore, un must. Thank you.
La toccata en sol mineur BWV 915 de Jean-Sébastien Bach, interprétée ici par la jeune Amandine Savary. Nous reviendrons plus en détail dimanche prochain sur le premier CD de cette jeune pianiste. C'était juste histoire de vous mettre en appétit un premier CD qui est paru chez Museau, distribué par Harmonia Mundi. Merci à mes partenaires en studio ce matin, Philippe Palares, Nelly Portal qui m'aide à préparer cette émission, Thomas Jost pour la réalisation. Prenez soin de vous. Belle écoute avec nous sur France Musique et à très vite. Ne bougez pas, dans quelques instants, le journal de 8h. Belle journée.